Ouais. Ah bah c'est pour ça, t'as pas dû voir. Quand j'ai l'impression que ça lag de mon côté. Ah ce jeu il aime pas trop les retours Windows. Bon c'est bon ça baisse. Fichage. Par contre, tu me diras aussi pour le son, parce que j'ai l'impression que la musique est trop forte. Rien que pour moi, elle est beaucoup trop forte. Faudrait qu'on puisse m'entendre quand même un minimum. Ciel vert, trace de port, résumé écran. C'est quoi ça? C'est un pec, ok. On coupe la musique. Oui, la musique, la vache. Ça doit être beaucoup mieux comme ça. Je verrai aussi pour le son des gugus. Ça, c'est quoi, d'accord. Bon, on va faire le didacticiel hein, pour commencer. On va faire ça léger. Pour les lags, c'est nickel. Ouais, j'ai l'impression que ça baisse un peu les images perdues. Alors, mon téléphone, je vais le mettre en silencieux. Bah, c'est déjà fait. Didacticiel. Ok. Donc, ça, c'est juste un tuto que je suis en train de faire. Ah, mais c'est bon. Je l'ai déjà fait. Alors vous, de votre côté, vous devez avoir comment dire? Chez moi, le jeu il est en 4 tiers, donc il sera légèrement étiré de votre côté. Ça, malheureusement, j'ai un peu la flemme de configurer tout ça. J'ai l'impression que les sons ambiants sont un peu forts aussi, par rapport à ma voix. Donc n'hésitera pas à me le dire s'il y a un problème là-dessus. Là on a trois tutos. Alors c'est quoi comme jeu? C'est un jeu de stratégie en temps réel, STR ou RTS, qui est dans la catégorie des God Games, donc des jeux où on est une sorte de dieu, même si c'est pas tout à fait le cas, du moins pas pour le moment. Alors dans ce cas, je vais baisser de mon côté. Voilà. Je connais. Donc je sais pas si tu connais Peter Molyneux, mais c'est une personnalité qui s'y connaît assez bien dans les jeux de type God Game. Notamment il a fait Poupous 1 et 2, mais plus récemment il a aussi fait Godius. Donc ça tu dois peut-être connaître pour le coup. Good night. Well, good night.
Sensibilité, elle est un peu bizarre. Donc pour l'instant, on est en train de voir comment fonctionnent les bâtiments. Ainsi que la production de mana. Voilà, donc là ça génère du mana, ceux qui sont dans les huttes. Donc c'est un vieux qui est quand même très très vieux. Non mais j'ai les souvenirs d'un jeu que je jouais sur DS. Donc là on a vu tout ce qui était construction de bâtiments. Donc là maintenant on va s'atteler au combat. Et salut le gamer pro, comment ça va? Donc j'ai pas souvenir que t'as déjà vu mes lives. Donc si c'est le cas, si t'es nouveau, je te dis bienvenue. Je me souviens plus. Là, un autre bâtiment, celui de la hutte des guerriers. Donc, comme son nom l'indique, permet de créer des guerriers. Ça utilise de la mana pour créer les adeptes. Bah, moi ça va bien. Très bien. Ah oui, c'est vrai que tu es sur YouTube en même temps. Oui, je stream à la fois sur Twitch et sur YouTube. Donc s'il y en a qui se demandent pourquoi je parle à des personnes entre guillemets invisibles, ne vous en faites pas, c'est soit que je lui parle sur Twitch ou YouTube. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aussi afficher les deux chats si ça vous intéresse. Non, je suis Cody le bâtard. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est bon, je m'en souviens. Donc là, on va se voir combattre deux braves classiques, l'un à l'autre. Et en général, le premier qui attaque, c'est le premier qui gagne. Bah, c'est pas grave, le vieux troll. Hein. Oublie. Au revoir. Donc cette fois-ci, on a le brave guerrier. Donc celui-là, il est beaucoup plus fort que les braves normaux. Donc moi, je suis un guerrier. Et ici, on a trois braves normaux ennemis. Et à lui seul, il va pouvoir déglinguer sans difficulté les Gugus. Parce qu'on le voit, il a une petite épée puis un bouclier, il me semble. J'adore les bruitages. Ouais, les bruitages, ils sont pas mal. Enfin, ils sont marrants, surtout. Donc là, on a un autre type d'unité, le prêcheur. Donc cette unité est capable de convertir les adeptes ennemis. Mais il est très faible en attaque. C'est vraiment une unité casse-couille ça d'ailleurs. Donc là ils peuvent pas m'attaquer. Mais ils vont être convertis à notre cause. Et voilà. J'ai des problèmes de cause, je reviens. Ok, pas de soucis.
C'est comme dans Delta Force, je crois. Hein? De quoi Delta Force? Je vois pas trop le rapport. Quand les ennemis meurent. Carl. Ouais, pas vraiment, non. Carl. Dans Delta Force, quand il crève, il faut un long cri, en général. Là, dans Populous, c'est un petit peu plus banal, j'ai envie de dire. Et là, maintenant, la chose principale du jeu, ça va être les sortilèges. Donc les petites têtes sacrées là permettent d'avoir des sortilèges. Comment dire? C'est pas des sorts infinis, on va dire. Donc là on vient de récupérer un éclair. Et on va aller crier le prêcheur ennemi. D'ailleurs, en parlant de prêcheur, face à la chamane, ça n'a aucun effet. Donc ça, ces tours-là, on va voir un peu comment ça fonctionne plus tard. Là, on va invoquer avec le totem un sort, donc en l'occurrence un sort de pont. Et la pyramide nous permet de débloquer un sort, mais qu'on aura pour toujours ensuite. Donc dans quasiment tous les niveaux du jeu, il y en aura au moins une. Et là on va débloquer la boule de feu. Oh, ils l'ont rechargé. Enfin, explosion plutôt, le nom exact. Donc là, ce qu'on essaye de nous faire comprendre, c'est que l'altitude nous fait augmenter la portée de nos tirs. Et là, on va voir bien la différence d'ailleurs. Alors, imaginons que je me mette ici. Donc, ça, c'est les lignes blanches, là, c'est la portée de mon tir. Chaque sort a sa propre portée. Et là, on peut voir que je peux pas tirer sur le Gugus. Le fait d'aller dans la tour de guet, bah j'ai une portée nettement plus grande. Je sais pas vraiment si c'est le double en portée, peut-être à peu près. L'eau s'amouille. Ah oui, d'ailleurs, tu me fais penser en parlant de la flotte. La flotte est mortelle pour tout ennemi et aussi pour les alliés, malheureusement. On peut pas nager. Cependant, plus tard on aura moyen de faire des bateaux ainsi que des montgolfières pour pouvoir traverser les étendues. Mais l'inconvénient des moyens de transport maritime ou aérien, c'est qu'ils sont très fragiles. Donc là on a terminé le didacticiel. Et on va créer une nouvelle partie. Alors malheureusement je n'ai pas les cinématiques parce que avec Windows 10, même le 8 j'ai envie de dire, même le 7 peut-être, les cinématiques ont la fâcheuse tendance de bugger. Donc je pourrais pas vous les montrer. Si vous voulez vraiment les voir, vous pouvez carrément les voir sur YouTube. Ça y est. Et en gros, on a, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Il y a 25 missions en fait, qui sont représentées par 25 planètes. Et notre but, bah, ça va être d'aller au centre. Et à chaque centre de d'une orbite, il y aura une sorte de mission boss, très généralement chronométrée. Donc là, je pense que ce soir, je vais m'atteler à seulement un système de planètes. Puis je pense que c'est tout. Je vais pas m'amuser à faire les autres parce que j'ai déjà fait le jeu plusieurs fois. Pour moi, c'est sur des comptes de cinématiques bloqués. Là, je vais laisser le tour d'horizon pour nous montrer un peu la map. La chamane ennemie. La pyramide de la connaissance. Avec la hutte des guerriers. Une tête sacrée. Même deux têtes. Je vais pas me plaindre, je l'ai gratuit. Ouais, moi aussi d'ailleurs. Mais bon, c'est pas vraiment mon style de jeu. Donc, je vais mettre pause si je peux. Juste pour vous expliquer un peu quel est le but du jeu au final. Donc, au départ, on est une chamane. Et dans chaque mission, il y aura une chamane ennemie aussi. Ou même plusieurs camps ennemis d'ailleurs. On pourra en avoir jusqu'à 3 différents en même temps. Donc on démarre sur un cercle comme ça, donc le lieu de réincarnation qui nous permet de respawn si jamais on meurt. Et on a autant de vie que, comment dire, que l'on souhaite tant qu'il nous reste des braves. Donc les braves sont très importants. S'ils crèvent tous, eh bah on peut plus respawner. Si on crève, bah on perd. Alors il y a une mission où on n'utilise que la chamane. Et si on la perd, bon, on perd la mission. Et ces braves-là génèrent de la mana. Et ils en génèrent plus s'ils travaillent ou s'ils sont dans les maisons. Donc là, ce que je suis en train de prier, c'est des sorts que je vais pouvoir utiliser. On a reçu le sort spawn. Ah, j'ai du mal à parler. Ça permet de créer un passage. Là, je vais créer des huttes pour avoir plus de mana ainsi que plus de gugus. Seulement deux suffira. Alors, cette mission elle est faisable sans récupérer les items là. Mais bon, pour le fun, je vais le faire quand même. D'ailleurs, si on récupère pas les pyramides en fin de mission, on récupère quand même ce qu'il y a eu dedans. Donc là, elle a eu des guerriers. On va la faire tout de suite d'ailleurs. Okay, donc là on nous dit que le mana sert à jeter les sorts, ceux-là en particulier. Ceux-là ce sont des sorts uniques. Donc, si on les utilise, on les a plus ensuite. Tandis que ceux-là se régénèrent pour aller lancer 4 fois si on a pas assez de mana.
Et salut Anja Downside, comment ça va? Donc là on a pris la foudre, voilà. Alors le sort foudre est une arme destructrice, bien plus puissante que le sort explosion, utilise adepte ennemi et met le feu aux arbres et aux bâtiments. Donc on verra ça un peu plus tard. Et dès qu'on aura épuisé tous les sorts de la statue, et ben elle va retourner dans le sol. Donc en gros, les sorts gris, faut mieux les économiser. Ensuite, on va attendre encore un petit peu pour avoir un peu d'adeptes. Et on va tous les envoyer là-bas, dans le tas. Donc là, sur cette mission, la chamane ennemie n'a pas de lieu de réincarnation. Donc si on la tue une fois, on la tuera pour toujours. Voilà, on nous dit que l'entraînement utilise du mana. On va déjà faire 3 guerriers. Je vais bien et toi? Bah moi ça va nickel. Là je me réessaye sur un jeu que j'ai pas joué depuis un long moment. Même les RTS en général, ça fait longtemps que j'y ai pas trop touché. Bon, je pense que 4 guerriers ça devrait suffire. Bref, c'est une mission assez simple ça. Non. Alors là normalement il y a des raccourcis. Voilà. Je vais utiliser l'orage pour le faire tomber dans la flotte. Shoka. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à laisser faire, tout simplement. Et le but, c'est de détruire intégralement la population ennemie. Il doit plus rien rester à la fin. Bon bah là je me suis fait tuer, c'est 20 guerriers ennemis. Alors la chamane est forte, mais face à un guerrier ennemi, c'est du suicide. Et du coup, salut Eloxo Gameuse. Comment ça va? Et voilà, première mission terminée. Là, on peut voir les braves s'extasier. Alors, le plus marrant, c'est quand il y a vraiment une grosse mission avec vraiment beaucoup de monde. Parce que les Gugus, ils peuvent faire des queuleuleux. C'est assez marrant. À la nuit tombée. Du coup, salut Andrew 25. Fucking game. Mais non, il est simple ce jeu. Enfin, simple. Là, on est qu'au début, hein, c'est très simple. Par contre, à partir de la moitié du jeu, c'est une autre histoire. Far Cry, go go go.
Ah non, j'ai prévu de faire du Populous ce soir. Donc, premier truc à faire, on va se faire des bâtiments. Voilà. Une des guerriers. Je vais les prier ce machin. Donc là, le sort qui se trouve ici, c'est un essaim de guêpe mortel. C'est pas un pouvoir ultra utile, mais ça peut servir. Donc là, il va y avoir un pont qui se crée. Et ça nécessite deux personnes. Ok. Donc, la chamane, je vais la foutre. Ici, par exemple. Par contre, il n'y a personne ici. Ok, ils ont pas grand chose. I'm a Russian man. Ah, je suis désolé, mais je comprends pas trop le russe. Et je parle pas très bien anglais. Donc si sur Twitch il y en a qui parlent anglais, ça peut être qui peuvent traduire éventuellement. Si vous en sentez capable. En fait, freelance Reno, j'espère je l'ai bien noté. Pour dire tu as eu mon message hier. Ton message hier. Ça me dit rien, j'essaierai de voir un peu plus tard. What's the game? Populous 3. The beginning. Il aurait déjà commencé à faire des guerriers. Alors là, je surveille un peu ce qui se passe là-bas, parce que ça peut attaquer d'un moment ou à l'autre. Donc ces deux-là, je vais les foutre à côté de la chamane. Toi aussi, tu vas te convertir. Tu joues sur PC? Oui, je joue sur PC. Exclusivement. Je t'ai laissé un petit message sur une de tes vidéos. Ok, bah j'irai voir. Bon, j'ai l'impression que les notifications YouTube buguent un peu en ce moment. Je sais pas si c'est à cause de ça que j'ai pas vu le message. Ok, je vais encore faire une maison. Et après, on va lancer une offensive. Je vais sur YouTube pour voir. Ah, d'accord. Tu fais comme tu veux. Tu peux même aller sur les deux plateformes. Bon, ça a l'air d'être calme. Je sais pas pourquoi ils attaquent pas. J'ai presque envie d'aller attaquer maintenant, tu sais quoi. Ah ouais, mais j'ai pas l'orage. Y'a pas d'orage ici? Ah, attends. Je suis peut-être un petit peu con là pour le coup.
sont un peu dissipés les gens, hein. Faut à chaque fois les faire rentrer dans le bâtiment pour que ça aille plus vite. Allez, rentrez là au lieu de glander. S'il n'y a personne. Toi, tu vas te convertir. Je suis désolé, je vous laisse, bon jeu, puis à bientôt, je resterai plus longtemps la prochaine fois, promis, bye. Après, des prochaines fois, je sais pas si... Ça va être un peu chaud, la 2017. Alors, attends, je vais remettre un peu mon micro-ailleurs. Donc là, on a récupéré la tornade. Pour détruire les ennemis, les bâtiments, avant qu'ils ne réagissent. Et du coup, re, le vieux troll. Enfin, sous ton autre pseudo, plutôt. Bon, bah, ils attaquent pas, donc... on va essayer de récupérer les trois. Ah, les oreilles! Attendre que c'est le dernier. Allez, rentrez dans le baraque, bordel. Voilà. Donc aussi, à propos des bâtiments, il y a trois stades de d'upgrade, en fait. Ça peut aller jusqu'à 5 habitants, au final. Voilà, deux, là-bas il y a combien? Donc une personne. Bah toi par exemple. Et lui on va convertir et on va aller attaquer. Une autre chose aussi par rapport à ce jeu, c'est la gestion du bois. Ça peut être compliqué parfois. Donc en général, le sort qui se trouve dans les pyramides, l'ennemi le possède techniquement. Donc faut faire très attention. Allez, on va y aller. Peut-être même faire une petite sauvegarde au cas où si ça plante. Pourquoi? Ah, ça devait être ma précédente partie alors. Purée. On va les nommer avec des lettres. Oh, c'est en QWERTY. Tant pis. Voilà. Allez, là, on va rigoler. J'ai fait le con. Donc je vais vous montrer un peu la tornade, ce que ça fait sur les bâtiments. Je vais attendre qu'il y ait du monde qui va dedans, en fait. Ça, c'est à ce moment-là que c'est marrant. Allez, c'est parti. Une petite tornade. Les bonhommes, ils volent. Ah, ça par contre c'est une très mauvaise idée. J'ai oublié de mettre des défenses. Ça va faire mal.
Ça va, je réagis assez vite. Normalement, il va crever assez vite. Alors, comme ça, tout ça, on va y ramener là-haut. Je vais en profiter pour tornader les deux baraques là. Ah non, j'ai même mieux. C'est ça que je vais tornader. Oh, comme je disais, on n'est pas obligé de les prendre, les pyramides, on les aura à la fin. Je vais surveiller un petit peu ça. On va leur demander de faire une petite patrouille là. Là par contre, je vais y aller tout seul. Je vais essayer de me battre avec... Alors attends. La chamane ne réagit pas face aux abeilles ennemies. Et maintenant ceux-là, on les envoie là. Normalement, il reste plus d'ennemis. Le chamanie. Ah voilà ce que ça fait les abeilles. Ça fout la panique. Voilà, fini. Et voilà. Donc là on dit qu'on n'en a pas eu, mais je vous assure que le sort des guêpes, on l'aura dans la mission suivante. Je dois me coucher car demain je me lève tôt, je reviendrai la suite en rediffusion. Alors malheureusement il n'y aura pas de rediffusion. Enfin, ah quoique, vu que c'est Popoulou, je pense que j'en ferai une quand même, malgré tout. Bah du coup, à la prochaine. Crise de foi. Donc là, normalement, on va avoir la hutte des prêcheurs. Un totem. La hutte des prêcheurs. Donc là, l'ennemi va l'avoir, techniquement. Donc, pour l'instant, il a aucune base. Il va très rapidement se la faire. Donc là, il y a un passage. Ok, bon, bah nous, on traîne pas. Tac. Alors, moi, je vais vite aller. Il faut combien de personnes pour ça? Une. Et je vais aller rusher la pyramide. Foutre ça là. Alors ces personnages là ce sont des sauvages. Et plus tard on aura un sort pour les convertir à notre cause. Et ces personnages là ils disparaissent quand on a beaucoup de braves. Et au contraire, si on en a pas beaucoup, eh ben il y en a d'autres qui respawn. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc là c'est le sort érosion qui se fait invoquer. Donc là je profite qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis pour aller récupérer la tente. Ça je pourrais protéger un peu ma zone. Vous allez faire quoi? Alors une autre chose aussi par rapport aux bâtiments, si on les fait trop loin, d'autres bâtiments, on peut pas les construire. Voilà, là on y voit mieux.
Qu'est-ce qu'il reste comme monde là? Personne. Le premier truc qu'ils ont construit, c'est ça. Et voilà, ils en ont déjà fait un ici pour protéger leur base. Mais on peut très bien les contourner. Oui, c'est bon, je sais ça. Bon, on va le construire maintenant d'ailleurs. Donc oui, je disais, pour les armes, vaut mieux les économiser sur certaines missions. Parce qu'ils peuvent donner 4 bûches par arbre. Sachant qu'un arbre complètement poussé met plus de temps à se régénérer. Kai. Toi, je vais te laisser là. Donc là, ce que je vais faire, c'est une protection. Avec un ou deux prêcheurs et des guerriers à côté. Comme ça, les prêcheurs, enfin deux prêcheurs, ne peuvent pas se convertir mutuellement. Donc ils déclencheront une bataille obligatoire. Par contre, si des guerriers ennemis se font convertir, ça c'est cool. Mais le problème, c'est que si on fait une défense uniquement avec des guerriers et que lui il attaque avec des prêcheurs plus des guerriers, et ben ça peut poser problème. Qu'est-ce qu'ils font? Ok, bon, chercher le bois. Je vais déjà me faire deux guerriers. Ouais, j'ai un peu mal géré. On va se refaire une hutte. Pour l'instant, la mana, c'est bon, on s'en fout. Alors, quand on n'a pas assez de mana et qu'on a envie de charger un sort plus vite, on peut en désactiver certains avec le bouton droit. C'est pratique, notamment en début de partie, quand on a des sorts qui consomment énormément. Alors, eux, je vais leur faire une patrouille là, tu vois. Autour de la chamane. Ça va mettre du temps. Alors cette mission, elle est faisable aussi très rapidement. Il suffit de rusher dès le début de partie le camp ennemi. Mais bon, comme ça, pas trop d'intérêt. Je vais pas le faire. Vous vous foutez rien, bah vous allez me faire une maison, tout simplement. Ici. Voilà, donc là ce que je fais en fait, c'est que s'il y a d'autres guerriers, ce sont mes guerriers qui vont les attaquer, ou éventuellement le prêcheur qui va les convertir. Et si on voit ses prêcheurs, bah il va essayer de convertir mes guerriers, mais mon prêcheur lui va empêcher de faire la chose. Le seul problème des prêcheurs ennemis, c'est que quand ils convertissent, bah t'as pas d'attaque qui se font. Enfin, qui se fait. Kai. Ok, bon, moi je pense que je vais commencer à attaquer. Il reste combien là-dedans? Ok. Attends. Non, tu vas faire ça. Alors, j'imagine qu'il va pas faire. Ah, bah non, il va même pas faire de guerrier, ça se trouve. Bah du coup mes guerriers... ouais si quand même.
Oh, quoi que non, même pas. Je vais foutre en G. Yenya ? Toi aussi. Ok, toi, guerrier aussi. Donc là, les rondes que je fais, ça permet juste de couvrir une zone un peu plus large. On peut soit s'amuser à faire des ronds comme ça, ou alors on peut faire carrément des rondes. On peut lui faire faire les 100 pas aussi. Voilà, tout simplement. Toi, t'es quoi, guerrier, tu vois là-bas. Vous deux, vous servez à quoi? Pour faire des guerriers aussi. Je vais quand même me réserver ça finalement. Ah bah tiens. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors là on va voir une... Eh bah non, on y verra pas. Bien sûr il se fait violer. Oh, il est vraiment bugué lui, qu'est-ce qu'il veut? Je t'ai dit, tu fais ça. Oh purée. Oh bordel. Voilà. Moi, je refais une petite sauvegarde au cas où. Je vais prendre sur la même, de toute façon, je vais pas conserver la sauvegarde. Et on y va. Donc lui, ça va pas être un souci, par contre ça... Je vais attaquer par derrière comme un gros sadique. Enfin quoi que, attends. J'ai juste envie de faire ça. Y'a quoi là-dedans? Ouais, on va faire le tour. Juste pour le fun, hein, bien sûr. Mais bon, elle, je sais plus trop ce qu'elle a comme sort, en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Oh là, attends, attends. Ils sont en train de faire masse monde. Oh, puis mince, j'attaque, rien à foutre. Voilà, donc là il y a un truc qui se fait convertir ici là. Donc là ils se font tous convertir à ma cause, pour ma cause justement, plutôt. Le chaman ennemi ne nous dérange pas. Il réagit même pas. Toi, je vais t'envoyer là-bas. Oh, j'ai plus de vie. Oh non. De toute façon, on va se faire violer le chaman, tu vois. On va pas faire long feu. Voilà. Face à des guerriers. Non, 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 non
Toi, tu vas là, tu vas tous les convertir. Oh, il s'est fait convertir instant. Abusé. Allez, attaquez là. Bon, ça c'est fait. J'adore comment ils volent. Ah oui, quelle heure? Moi, ouais, je vais pas faire trop tard hein, aujourd'hui. Enfin, je vais pas trop terminer trop tard. Donc là, cette fois-ci, on a un autre camp ennemi. Les Mataks, donc sont les verts. Et on va récupérer la foudre. Et un bâtiment aussi. Donc là, c'est le bâtiment de Tour de Guet. Ici, on a une tête de conversion, éventuellement. Ouais. Et ici, on a le sort foudre qu'on pourra avoir définitivement. Alors, premier truc que je vais faire, c'est récupérer ça. Je vais envoyer un Gugus là-bas. Et je vais commencer à faire les bâtiments. Alors là, le problème, c'est que je ne peux plus m'étendre. Donc il va falloir que je débloque la tour de guet. Qui, elle, je pourrais la mettre partout où je veux. Pour pouvoir faire une autre base ailleurs, en fait. C'est une sorte d'avant-poste, en fait. Donc le sort de conversion permet justement de convertir les sauvages en adeptes. Donc je vais faire ça tout de suite là où il y a des troupes. Voilà. Et je vais le faire aussi là-haut, je pense. Comme ce sort est limité dans mon cas pour l'instant, vu qu'il est en gris, il faut que je l'utilise à bon escient. Donc je vais vite demander de faire une tour de guet là. Comme ça, je pourrais. Oh non. Comment on fait pour supprimer déjà? Je sais plus. Normalement, il y a une touche pour supprimer. Voilà, c'est ça. Donc toi, tu vas aider la tour. Et le dernier, je vais m'en servir. Ils sont un peu seuls, en fait. Là-bas, ça m'a l'air pas mal. J'essaie d'avoir un maximum de monde, en fait, dans le rayon d'action. Ah, ça va être juste. Il arrête de bouffer l'arbre. Et rapproche-toi. Bon, Lio. Voilà, donc là maintenant je peux m'étendre. Y'a pas de soucis. Bon, tant pis. Hein. Je le crame. Donc là, ça m'amène. Allez, construisez-moi ça ou. Oh, purée, y'en a qui glandent là, ça m'énerve. Je vais faire ça en premier, je pense. Alors, je préfère éviter de construire sur les arbres, ça après ils repoussent plus. Mais bon, là, je suis un petit peu dans la merde. Toi, tu vas aller là-dedans. Toi, ici. Celui-là, il y a moyen qu'il nous envoie. Il est rentré là-dedans, lui. C'est toi, j'ai envie de voir. Blah. Et vous, qu'est-ce que vous foutez, bande de crétins? Voilà, et vous quatre, vous allez me construire
ça. Ici. Toi, tu vas me construire une autre maison. Là, il me faut deux personnes là. Alors, au niveau sort, ils sont déjà chargés. Alors, pour l'instant, j'ai trop de monde et pas assez de maisons, donc ils se reproduisent pas vraiment. Donc les débuts sont toujours un peu chiants et répétitifs, mais bon. Là je vais tout de suite me faire une défense. Je pense que je vais au moins mettre un ou deux prêcheurs. Puis peut-être deux ou quatre guerriers en arrière pour protéger si jamais il y a d'autres prêcheurs qui se ramènent. Alors on va faire au moins un. Allez, vous êtes toujours pas construit ça, purée. Abusé. Alors aussi le problème c'est quand on utilise trop le sort conversion, on se retrouve au final avec plus de guerriers que ce qu'on est censé en avoir par rapport au nombre de maisons qu'on a au départ. Donc faut pas tous les convertir en guerriers ou autre chose. Ah, c'est après derrière les autres ils se reproduisent pas. Il y a ? Alors, ah bah voilà, il commence déjà à attaquer. Après j'ai envoyé mon prêcheur, j'espère que ça va être juste. Voilà, c'est bon. Des guerriers gratuits. Ah par contre ça c'est pas bon. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Quel con ! Bon c'est pas grave. Bon moi j'ai gagné deux guerriers comme ça, avec mon prêcheur. C'était juste hein, pour les faire. J'aurais attendu encore 5 secondes de plus, j'ai un peu le temps. Mais du coup les guerriers ça sert à rien d'en faire. Toi tu sors de là. Je vais m'en refaire un du coup de prêcheur. Donc ce côté là est pas trop protégé. Alors dans les tours de guet on peut aussi mettre des unités comme le prêcheur. Comme ça, ça son rayon d'action sera plus large. Parce que de base il peut lui il peut prêcher que sur cette distance là en fait. Et ça sera quasiment le double s'il est dans une tour. Alors du coup je me demande si je vais pas. Par contre, il y a certains guerriers qui sont très longs à convertir. Plus je vais le mettre de ce côté-là pour éviter les problèmes. Toi, tu fous rien, tu vas aller là-dedans. Ici, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, la barre qui est ici, c'est notre population. Donc si la barre est verte, ça veut dire qu'on peut encore avoir des nouveaux-nés. Et si elle est rouge clignotante, ça veut dire qu'on a atteint la limite pour le nombre de bâtiments qu'on possède. Donc ici on a les braves, les guerriers, ici je sais plus trop ce qu'on a. C'est classé par unité. Et ici on a aussi le classement, s'il y en a qui font quelque chose, s'il y en a qui sont dans les maisons, s'il y en a qui font rien. Et ça c'est ceux qui sont sélectionnés. Ah c'est bon, il a fini de convertir.
Ah, oh, saleté de terrain. Alors du coup, toi, je vais te foutre là. Attends, non. Ok. Donc cela, je vais leur faire une petite ronde comme ça, juste derrière. Et maintenant, on va se développer pour pouvoir faire une petite armée. Là, les maisons au stade maximum. D'ailleurs, aussi en parlant de barres sur les maisons, enfin, ça c'est pas un bon exemple. Bon, si c'est un exemple. Donc, la barre verte, c'est la reproduction. Dès qu'elle atteint le sommet, il y aura un nouveau Gugus qui va sortir. Et pour ces maisons-là, la barre rouge concerne le stade d'évolution. Donc quand elle sera tout en haut, bah, ça passera à la maison supérieure. Avec, dans ce cas-là, il y aura 5 Gugus qu'on pourra mettre dedans. Ça pour l'instant, ça sert à rien. Je vais encore me faire 2 baraques. Oula, ça prépare une attaque là, je sens. Sauf qu'il y aura la totale cette fois. Alors là, faut faire attention un peu avec l'eau. Donc si jamais je vais pouvoir les accueillir avec des abeilles. Des abeilles, c'est pas des abeilles, c'est des guêpes. Un essaim mortel. Alors comparé à ce que fait penser le nom, c'est pas si mortel que ça en fait. Hein. Ça fout juste la zizanie dans un. À tous les ennemis qui passent dedans. Sur les alliés, ça fait rien par contre. Et heureusement. Allez, remplissez-moi ces baraques. Hein. Toi, va là-dedans. Je veux plus avoir de place. Ici. Là-bas, je vais peut-être éviter de construire. Je peux pas construire là. Bon, bah, il y a vraiment plus d'espace, hein, tant pis. Du coup, je vais commencer à faire des guerriers. Faire 4 prêcheurs. Et ceux-là, je vais les laisser dans la. Oh putain! Oh saleté! Ah oui, d'ailleurs, en parlant de bâtiments et de l'orage, les éclairs qui tombent sur les bâtiments, s'il y a du monde dedans, ils meurent instantanément. Putain, saleté. Bon, ça va, ils se font convertir. J'aurais dû être plus attentif. Mais bon, c'est pas grave. Toi, tu reviens là. Alors, les bâtiments, ils ont aussi des stades de destruction aussi. Donc là, je peux les réparer. Alors, du coup. Toi, tu vas aller là-bas. On va en prendre 3, vous allez là-bas. Allez, prenez du bois, amenez là-bas. Enfin, des fois, ils mettent du temps pour réparer ou construire, c'est abusé. Qu'est-ce que j'ai comme unité ici?
4 guerriers, 3 prêcheurs, c'est peut-être un peu trop. Du coup, eux, je vais les rapprocher un peu. Alors, 2 guerriers. Toi, guerrier aussi. Vous 3, des guerriers. Et je pense que je vais attaquer. De toute façon, c'était prévisible, hein, vu qu'il a la pyramide de la connaissance éclair, l'ennemi l'a forcément. Donc en fait, on lui vole ses pouvoirs, en fait, hein. Faut voir ça comme ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, mais quand il y avait des ennemis proches de la tour de guet, il y avait une alarme qui se déclenche, vu qu'il y avait du monde dedans. Donc ça peut être pratique. C'est pas que ça peut être pratique, c'est pratique. Donc là je vais faire 2 guerriers, mais ils vont protéger la base. Ceux-là, et on verra chaman. Attends, je savais qu'ils allaient attaquer. Il y avait déjà du monde qui était stocké ici. Mais j'ai pas fait plus gaffe que ça. Ah voilà, lui il est... Ok. Donc toi tu vas refaire ta petite ronde ici. Toi tu vas repartir un petit peu plus par là. Et vous allez protéger... Oh, attends. J'ai même mieux. On va faire ça. Eux ils vont protéger la tour de guet si c'est possible. D'ailleurs, par rapport au chemin de ronde qu'il peut faire, tour le card, on peut le faire aussi avec le feu. Donc ça consomme pas de bois. C'est juste une manière un petit peu plus classe de faire un mouvement circulaire. J'ai une maison vide. Pourquoi ? Oh, mais oh. Allez, on y va. Peut-être juste sauvegarder au cas où ça tourne mal. Alors je vais tous les sélectionner par contre. Ah, il se prépare à une attaque lui. Ça sent mauvais. Par contre, faut vite que je m'écarte de l'eau parce que sinon ça risque d'être mortel. Allez, chaman est mis à la flotte. Comme ça, on n'en parle plus. Alors, je vais vite nettoyer un peu ce qui s'est passé là. Tu vas aller te battre avec lui. Oh, puis ça, on s'en fout. Ah merde, ils sont en train de se faire. Voilà, ça, protection efficace. Qu'est-ce qu'ils ont? Revenez là. Oh purée. Ils sont en train de se faire convertir là. Faut vite que je réagisse. Mais arrête d'attaquer, toi! Grosse merde. Pour faire long feu, de toute façon. Alors, vous. Vu que c'est du bonus, vous les avez restés ici. Ah, j'ai plus l'habitude des combats. C'est abusé. On va vite récupérer ça. Ah.
cela. Non, ah, non, j'ai vu. Je vais commencer à attaquer un petit peu d'ailleurs. Parce que là, le problème, c'est qu'ils vont faire des guerriers à l'infini. Alors, attends, non. Alors, le problème, c'est quand le chaman est interrompu comme ça, la petite barre rouge de progression, elle baisse. Oh, le strike que je suis en train de te faire. Allez, maintenant. Tape dans le tas. Oh, putain. Quoi, Nescano? Qu'est-ce que vous foutez, vous? Merde. Oh, mais... Dégage, toi. Bon, ouais. Tu vas me laisser prendre le sort, là, ou quoi? Il me manque. Il me manque des guerriers. Ah, ils sont là, d'accord. Oh non, putain. Vas-y, bousille-moi ça. Ça, on s'en fout, c'est ça qu'il faut que je détruise. Oh putain, mais c'est pas possible ça. Dégage. Putain, c'est pas vrai, ça emmerde. Toi, tu vas les protéger, ça. Putain, mais... Dégage, putain, mais c'est pas possible, ça. Putain, vous allez me laisser prendre ce truc, là? Dégage. Ouais, c'est ça, crève. Qu'est-ce que vous foutez, vous? Non. Continue à attaquer. Qu'est-ce qui est trafique là? Vas-y, attaque-moi cette merde là. Bon, toi tu me saoules, dégage. Putain, mais. Casse-toi! Je t'aime pas, dégage. Donc, les guêpes, c'est pratique pour interrompre les prêcheurs ennemis aussi. Alors, vous allez attaquer ça. Qu'est-ce qui reste là? Rien. Vu la vitesse que ça a descendu, ça doit être un guerrier ennemi. De toute façon, il s'est fait buter, tant mieux. De toute façon, là, il a plus de... Il a plus de braves ennemis, donc il est mort. C'est un peu lamentable. Faut que je m'y remette. Puis ça, je pense que ça va être la dernière mission que je vais faire aujourd'hui. Je vais pas m'amuser à tous les faire parce que après c'est vraiment compliqué. Et ça va prendre un temps fou pour certaines. Surtout que j'ai plus l'habitude là, j'ai pas retouché depuis un moment. La mort ailée. Donc ça, ça va être un autre pouvoir qu'on va voir bien plus tard. Mais là on va pouvoir l'invoquer grâce au espèce de totem. Enfin la statue plutôt. Donc là, on est sur une mission boss, entre guillemets, qui sera chronométrée, comme la plupart. Donc voilà ce qu'on doit capturer. Donc on a 15 minutes
pour aller récupérer, enfin, aller jusqu'à la statue. Donc là, je vais tout de suite aller ici. Donc là, on n'a pas de brave, donc on peut construire aucun bâtiment. On a besoin d'une seule personne dans ce cas-là. Ici, il y a besoin de quoi? Waouh! On va commencer à le faire, alors. Donc là, faut réfléchir un peu. Sort conversion. C'est qu'il y a du monde. Ici. Que j'en profite pour récupérer du Gugus. Voilà, le fait d'avoir prié cette chose, ça nous fait apparaître un bateau. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est déposer 4 personnes, reprendre le bateau, le refaire venir là. Cela, je vais avoir besoin de pas mal de monde. De préférence. Alors, toi tu vas aider. Il faut 2 autres personnes. Donc là, on vient de voir un camp abandonné. Il va me falloir un maximum de braves. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant de faire la mission, quand même. Pourquoi tu passes là-dessus? Ah, l'IA, elle est un petit peu conne. Ça, c'est... ça change pas. Toi, tu vas retourner dans le bateau, du coup. Et on va déjà commencer à embarquer sur le... sur l'île ici avec le bateau. Comme ça, tout le reste des troupes, on va pouvoir la faire passer, j'imagine. Alors, la chamane, je vais la foutre là-haut. Là, il me faut combien de personnes? Une seule, j'ai dit. Oh, putain. Est-ce que je vais avoir le temps de faire une baraque? Je pense. Là, on a le sorbon, d'accord. Là, il va y avoir un autre sorbon, j'imagine. Ah, il y en a que 2, d'accord. La chamane, je vais la foutre dans le bateau plutôt. Bon, je vais sauvegarder là par contre. Au cas où ça tourne mal. Alors, je vais juste mettre pause pour explorer un peu. Alors, on a un grand camp ennemi. Donc, l'attaquer serait suicidaire, et puis de toute façon, on n'aura pas forcément le temps. Et la chose à récupérer est ici. Ok. Donc, il va me falloir guerrier et prêcheur obligatoire. Là, il y a un peu trop de monde. Alors, on pourrait passer par là. Le chaman ennemi est où? Là-dedans, ouais. Alors, ce que j'en pense... ouais, je crois que les bâtiments, ça va servir à rien. À part pour générer un peu de mana et encore. Est-ce que là, il n'y a pas de... qu'est-ce qu'ils foutent là? Putain. Ah si, on peut quand même réapparaître. Ok. Donc, je pense que je vais laisser un ou deux braves dans la base ici, au cas où. Même si ça va être très chaud. Par contre, il y a qui peut prier là-haut? Ouais, il faut que ce soit la chamane obligatoire. Donc là, il y a 2 possibilités d'attaque. Donc la première, c'est d'aller prier ça, faire le pont ici, et se démerder pour aller l'endroit le plus safe m'a l'air par ici. D'aller là,
éventuellement détruire ça sur la place, sur le passage du moins, et aller rusher ce truc. Ou alors, on peut se faire une petite escouade en utilisant le bateau, passer là, et débarquer directement ici, et aller attaquer. Le problème, c'est que le bateau est limité à 5 places. Donc voilà les deux meilleures astuces pour cette mission. Je pense que je vais faire le bateau. Mais avant de faire le bateau, je vais attendre que ça se recharge. Donc c'est pour ça que je fais des maisons. Et je vais envoyer 3 guerriers avec moi, plus un prêcheur. Et ça devrait suffire. Voilà mon petit plan d'attaque. Toi, tu grimpes là. Il me faut 3 guerriers. Vous allez commencer à les attendre pour générer de la mana. J'ai pas de place pour une autre maison. Non, eh ben, ça sert à rien. Touch. Là, il y en a un qui va se convertir et aller là-dedans. Ces deux-là vont servir de réserve, j'ai envie de dire. Donc l'avantage de faire ces missions avec le bateau, c'est qu'on peut la faire très rapidement, plutôt que de passer par les terres. Et je vais même m'amuser à faire un autre au cas où, que ça tourne mal. Alors je vais attendre que l'éclair se régénère un petit peu. Alors l'avantage, j'ai encore même une autre possibilité. Sauf que là, ça va pas être évident. Je peux débarquer là. Utiliser le sort pont pour faire un passage dans la roche, carrément. Et éventuellement... Ouais, non, ça sert à rien. On va improviser sur ce coup-là. Donc là, le bateau, à ce stade du jeu, c'est assez safe. C'est assez safe de l'utiliser. Putain, il y a vraiment du monde. Alors... Ah merde, je peux pas. Je vais essayer de m'approcher le plus possible. Je vais m'amuser à boucher cette entrée, là. Même si ça sert un petit peu à rien. Alors la chamane, si je peux, c'est l'envoyer là-bas. Quoi ? Ouais, bon bah mission réussie, hein. Là, on va voir le sort de la mort ailée. Donc la mort ailée, normalement, c'est un seul dragon. Mais grâce à la statue, on va en avoir 5. Et là, ça va saigner. Là, le chaman va se faire bouffer en priorité. L'espèce de dragon les chope par la bouche. Non, juste pour la beauté du geste. Est-ce qu'on peut envoyer des éclairs, non? Dommage.
C'est les là, machin. Qu'est-ce qu'elle fout là d'ailleurs? Bon, comme le son est un peu chiant, je vais le couper quand même. Et je pense que je vais arrêter là. Malheureusement.